manquer une partie là ? Si, si, je crois. Laquelle ? De présenter nos différentes parties. Revenons en arrière. Je suis d'accord. Notre région. It was my pleasure to talk with all of you today. What smart questions, and I hope you all have a great day. Goodbye from the International Space Station. Ciao. Tiens, Elder, et si tu leur présentais notre région ? Auvergne-Rhône-Alpes. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région la plus peuplée de France. Elle compte aujourd'hui plus de 8 millions d'habitants. Avec une superficie de 67 711 km², on compte plus de 110 habitants par km². La région Auvergne-Rhône-Alpes est divisée en deux sous-régions, la région Auvergne et la région Rhône-Alpes. La région Auvergne, qui compte quatre sous-régions, notamment Allier, Puy-de-Dôme, Cantal et Haute-Gloire. Quant à la région Rhône-Alpes, elle en compte 8. La Loire, l'Ardèche, la Drôme, le Rhône, Ain, Haute-Savoie et la Savoie. Bref, comme ça quoi. La partie 1 terminée. Passons à la deuxième partie, la découverte de notre lycée. Partie 2. Notre lycée. Le lycée Ambroise Croizat est dirigé par Madame Chollet. Il compte 883 élèves. Ce lycée est un établissement public. Le lycée fait partie de l'Académie de Grenoble et propose plusieurs enseignements, général, technologique ou post-bac. Il a aussi un internat. Ce lycée est surtout un lycée des métiers. Il propose différentes sections, art, sport ou européennes. Partie 3. Notre investissement.
la fourchette? La fourchette a tout d'abord été créée en 350 à l'Empire byzantin. Au départ, elle servait juste à manger les pâtes et elle n'était pas très populaire en Italie, les gens préféraient manger avec les doigts. Et il y a une princesse nommée Teodora Ducas qui était l'épouse du doge de Venise. Elle a popularisé la fourchette et à partir de ce moment, les Italiens l'utilisaient beaucoup. Et c'est lorsque Catherine de Médicis arriva en Italie qu'elle rencontra ce couvert, cet ustensile qu'elle trouvait plutôt étrange. Elle en a parlé à son fils Henri III. Henri III, lors de son voyage en Italie, a demandé justement à voir cette fourchette. Il a ensuite été conquis, il l'a ramené en France. Il en a commandé plusieurs et une fois en France, pareil, il l'a popularisé au niveau de la haute cour, de tout ce qui est noblesse et bourgeoisie. Et au départ, elle servait juste à manger les poire cuites. Et c'est au fur et à mesure du temps qu'elle servit à manger justement toute la nourriture. Et elle passa de 2 à 4 dents. Elle servit aussi justement à montrer la richesse des personnes aisées, justement avec les armoiries comme dessus. Quelle est votre conclusion? On peut conclure que la fourchette a été inventée en Italie et qu'elle a beaucoup évolué au fur et à mesure des âges. Elle a beaucoup changé au niveau de l'aspect, de la forme. Et pareil pour la nourriture à laquelle elle est destinée, ça a beaucoup changé. Eve, Thibault, merci d'avoir répondu à nos questions. Bonjour Elodie, bonjour Romane, merci d'être venu. Et donc nous allons vous poser plusieurs questions sur le thème que vous avez choisi. Qu'est-ce que le slow food? La slow food a été créée par Carlos Pedrini à Bra en Italie. Et fast food, c'est le contraire de fast food. Fast food qui veut dire que c'est rapide. La slow food, c'est une restauration lente, bio, à base de production locale. Et bio. Que pouvons-nous en conclure? Nous pouvons conclure que la slow food est une restauration qui lutte contre l'obésité. Romane, Elodie, on vous remercie d'avoir répondu à nos différentes questions et d'être venu. Et au revoir. Bonjour Clara, on va vous poser des questions justement sur le menu franco-italien. Alors la première question c'est combien de vin et de fromage proposez-vous dans votre menu? Alors pour les menus franco-italiens, j'ai décidé de mettre 3 vins italiens et 5 vins français. Et pour le plateau de fromage, j'ai décidé de mettre 3 fromages italiens et 3 fromages français. D'accord, merci Clara d'avoir répondu à notre question et au revoir. Bonjour Oscar, bonjour Marius, bonjour Michael, bonjour Loïs. Alors, merci d'être venu d'abord et nous allons vous poser différentes questions et vous allez y répondre. Quels sont les principaux chefs français? Il y a Paul Bocuse, Anne Tufiti, Georges Blanc, Marc Béra. Quels sont les principaux chefs italiens? Comme chef italien, nous connaissions Massimo Bottura. Donc Massimo Bottura, c'est un chef italien qui est né à Modène, qui vit en Italie. Son restaurant, si vous êtes trop le nom, est triplement étoilé au guide Michelin et qui a été aussi voté premier au classement du top 50 best restaurant Marius, donnez un chef italien et un chef français que vous préférez. Un chef français, Marc Béra, et un chef italien, je connais que Massimo Bottura. Et Marc Béra a un restaurant triplement étoilé en Haute-Savoie depuis l'année dernière. Ce restaurant s'appelle La Maison des Bois. Eh ben, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Au revoir.
Bonjour Aurélien Paya, nous allons vous poser des questions sur le thème que vous avez travaillé, c'est-à-dire les produits marqueurs en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour, merci bien pour cette question. Quels sont les produits marqueurs? Alors, les produits marqueurs en Auvergne-Rhône-Alpes sont variés. On a du fromage, des vins, du poisson, de la viande, etc. Sachant qu'on a beaucoup plus de fromage, on a beaucoup plus de fromage en AOC. Par exemple, le Beaufort, la tome de Savoie, si je ne me trompe pas, etc. En poisson, on a principalement des poissons d'eau douce. C'est sûr qu'en Savoie, bonne chance pour aller en l'océan, ou en mer. Après, donc, on a aussi des fruits, légumes, tout ça, comme les noix de Grenoble, par exemple. Très bien. Lequel de ces produits préférez-vous? Bien évidemment, le Beaufort. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'on fera sans? Et la noix de Grenoble. Pourquoi préférez-vous le Beaufort? Parce que le Beaufort, c'est le meilleur. D'accord. C'est bon, bien. Ben merci Aurélien d'avoir répondu à nos questions. Avec vous, on en a plus appris. Et au revoir. Au revoir. Pourquoi avez-vous choisi ces ingrédients? On a choisi ces ingrédients parce que c'est des ingrédients franco-italiens et que c'est des produits nobles. On a choisi aussi ces ingrédients parce que c'est des produits régionaux, surtout nobles, comme il a dit Antonin, et c'est des produits qu'on aime bien travailler. On remercie Antonin et Diogo d'avoir répondu à nos questions. Et au revoir. Bonjour chef, et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors on va vous poser différentes questions. Bonjour, alors la première question est, aimez-vous ce projet? Je pense que vous parlez du projet Cécile. Et j'estime que c'est un excellent projet car c'est toujours bien pour nos étudiants, pour nos jeunes, nos élèves, de partir à l'étranger et de voir une autre culture gastronomique que celle de la France. Pourquoi avoir accepté ce projet? Justement pour qu'il y ait un échange entre les pays anglo-saxons ou de la Méditerranée avec ceux de la France, pour échanger sur la gastronomie et sur les recettes de chaque pays. La dernière question, êtes-vous content de ce que vos élèves réalisent? Je suis satisfait de mon groupe élève qui s'investit particulièrement en travaux pratiques. Mais nous sommes qu'au milieu de la formation et il reste encore un an et demi pour valider un diplôme qui sera reconnu au niveau national et au niveau international. Merci chef d'avoir répondu à mes questions et d'avoir pris le temps. Bon courage en Sicile. Monsieur, et merci d'avoir accepté, et merci de répondre à nos différentes questions et d'être venu. Merci. Alors on va vous poser différentes questions donc, et on commence par la première. Aimez-vous ce projet? Oui, c'est un projet qui est intéressant, ça permet de voir un autre pays, de mieux maîtriser aussi une région, et puis ça permet aux élèves de travailler un jeudi soir, avec de vrais clients, puis une attente un peu plus longue et puis mieux travailler. Pourquoi avoir accepté ce projet? Pourquoi avoir accepté ce projet? Ça a été demandé en cours de premier semestre, comme quoi pour partir en Sicile, vous auriez aimé, vous vouliez faire un menu gastronomique où on pouvait matcher un petit peu aussi bien la cuisine française et la cuisine italienne, donc on n'a pas refusé ce repas. Êtes-vous content de ce que vos élèves réalisent? Oui. En termes de menu, on a vu le menu, on a vu les vins, on voit le plateau de fromage et la carte des vins qui sera proposée ce jour-là, ça peut être intéressant.
Merci monsieur d'avoir répondu à nos différentes questions et d'être venu et au revoir. Je pense que le chef, je vous remercie et je vous souhaite un bon voyage et puis un bon TP le 4 avril. Merci. Merci.